Ah, ça commence comme ça, d'accord? Ah, ça a démarré. Alors, pour... Erev Tov! On est ce soir le lundi 19 du mois de décembre, le Kaf du mois de Kislev, puisqu'on est déjà le soir, Soda Hashmat, Parashat Vayeshev, il n'y a pas de rapport avec Vayeshev directement. On est dans le Chelek Gimel et à la page Taf Resh Mem Aleph. Ce soir, l'Ezrat Hashem, c'est la Iloula de Lévi Bat Rachel. Myriam Lévi Bat Rachel, Ezrat Hashem. Attendez, je revérifie pour pas qu'il y ait d'erreur. C'est ça, Myriam Lévi Bat Rachel. Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elyon. Vechen, il y a aussi, je crois, une grande réfouach Shema pour je ne sais pas qui, mais je vais vérifier tout de suite si je ne me trompe pas. Talia Batefrat Myriam Kimouvan. Et aussi pour Shiva de Benkia Bat Shikuna, Ezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elyon, il y a marqué ici. Vechon Israël, Emily Bert, et qu'on souhaite une grande Atsaka, Vanessa Shela, Vechon Israël, Echon Tenu Shalom. Tous ceux qui nous aident. שיזכו לכל מיני דמטה ושירים לרוחנו בגלל שמיטת בלידי בעזרת השם אמן ואמן. שוז'י קומו אתודיה סוסואר, חציו לשם, חציו לכם. שוז'י תחיזו ביגוד, חיכום פליגי, כי יצאו רפרזנטי פר דו סמבול, רבי אליעזר, רבי יהושע דון הגמרא, וזה חציו לשם, חציו לאדם. יודר אקזקטומו, למות שיהיה פור מוה, למות שיהיה פור תוע. כעיקרון, dans le judaïsme, quand on fait la afracha des choses, quand on vient pour faire une afracha, il y a marqué un aser aseren, on donne 10% à Dieu, on prend 90% pour nous. Là, ce qu'on va étudier ce soir, on va essayer d'approfondir peut-être le sujet, je ne sais pas, c'est Chetzio l'Adam, Chetzio l'Hashem, moitié, moitié. Vous verrez que cette discussion qu'on va développer ensemble sur les deux personnages qui étaient Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, c'est un sujet qui sert très souvent au Réchaïm. Quand est-ce que le Racha il dit, mais qu'est-ce que vous faites vous là, les religieux? La Picoros, qu'est-ce qu'il dit? Ma avoda azot lachem, lachem velolo. Chachamim, ils disent, qu'est-ce qu'il a voulu dire le Racha à Pessah? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là maintenant, vous, en train de déguster la matzah, la demchot, et de vous éclater dans la nourriture de Pessah? Ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous êtes des religieux, pourquoi vous n'êtes pas en train d'étudier? Une des explications qu'il donne à propos du Racha. C'est-à-dire que le rachat se relie un peu à cette notion de quand un juif il doit travailler dans ce monde, et bien tout ce qu'il fait, ça doit être que pour Hachem. Ma pitam, toi tu profites. Ma pitam, tu prends des vacances. Ma pitam, tu dégustes un super plat. Ma pitam, tu t'en mets plein les babines. De l'autre côté, on a vu une fois Rabbi Israël Abou Hatzera, Baba Salé, Srouto Tegan Avinu, Ish Tzadik Yesodolam, où sa femme lui a fait une superbe soupe. Comme ça, c'est marqué dans sa biographie. Il a dit chez Akol ni à Bidvaro, et en goûtant la soupe, il a pris donc la cuillère, il a posé la cuillère dans la soupe, et il a dit à sa femme, je ne peux pas. Alors sa femme lui a dit la main, elle a dit, elle est trop bonne. Les gens, ils sont bizarres. Moi, si c'est très bon, je redemande de la soupe. Mais ça, c'est tunisien. Les Marocains, ils ont un autre niveau que nous. Nous, on dit, Baba, ta soupe, elle est. Il n'y a pas. Donne-moi la marmite. Baba Salé dit, elle est trop bonne. Il y a quelque chose qui, dans la personnalité de Baba Salé, l'a dérangé. Qu'est-ce qui aurait pu le déranger d'après vous? Ce qu'on va étudier ce soir, c'est que Baba Salé, ce qui aurait pu le déranger, c'est qu'il a un plaisir dans lequel je ne puisse pas être mêlé. Quoi, moi, je vais profiter, Dieu ne profite pas. C'est trop bon pour moi. Mais Hachem, il n'a pas besoin de ça. Et je veux que toutes mes actions soient reliées à Hachem. Alors c'est quand même bizarre. Mais qui pense comme ça? Rabbi Eliezer, ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Puis qui pense à l'opposé de cela? Rabbi Yehoshua. Il ne dit pas du tout. Si ta soupe, elle est bonne, mais mange-la cette soupe. Alors comment les misladers? Alors Ben Tzion Abba Shaoul, il disait, mange bien, bois bien, dors bien, et étudie bien. Donc c'est quand même deux parallèles. Un temps soit peu bizarre de voir que dans la Avodat Hashem, il y a deux façons de travailler Hashem. Il y a celui qui, à son niveau, ne fera rien s'il n'y a pas un intérêt pour Dieu.
Ça veut dire que dans ce que je vais faire, je vais les RR, je vais réfléchir, je vais me poser les questions en disant, mais ok, là, dans ce que je fais, est-ce que je fais du bien ou pas du bien à Hachem? Est-ce qu'il y a une liaison qui est avec Hachem? C'est toute la chassidoute qui dit que dans l'ensemble de la chassidoute, on dit que quand tu fais une action dans ce monde, il faut qu'elle ait une projection avec le monde futur. Pas qu'on fait une mitzvah pour avoir le salaire du monde futur, mais je le rappelle une fois pour toutes que le monde futur est un but en soi. C'est un but en soi. Ça veut dire que, oi va voy qu'on ne soit pas dans le monde futur. Une personne qui entendrait qu'il n'a pas de part au monde futur, c'est une personne qui a raté quelque part une cible essentielle dans sa vie, même si ce n'est pas un but en soi de travailler Hachem pour avoir un salaire. Donc il y a le salaire en tant que, c'est le mal d'abardomé quelque part, c'est comme un patron où l'ouvrier adore son patron, il dit t'inquiète pas, je te paierai pour le travail que tu fais. Il lui dit c'est sûr que tu vas me payer, mais j'ai plus important que d'être payé. C'est de savoir que toi, je te fais du bien, tu es fier de moi, tu es content de moi, que tu es mêlé à moi, que quand tu me sais que je travaille pour toi, ben tu dis, je vais gagner quelque chose de cela. Ça, c'est Rabbi Eliezer, qui ne conçoit pas qu'on puisse vivre dans ce monde si Hachem, ben, il ne profite de rien. Rabbi Yehoshua, il dit, pas du tout. Et cette marloquette, elle va exploser même au niveau de la Géoula. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehoshua? Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il dit, Benissan, Betishré, il y aura la Géoula. Rabbi Yehoshua, il dit, Benissan, il y aura la Géoula. Ils vont être en marloquette sur toute la façon de travailler Hachem, y compris des mois. C'est ce qu'on va étudier ensemble, si cela vous intéresse. Vous êtes Hachem, c'est nous. La Gemara nous dit comme ça, le Maseret Betsa, le Daftet va Vamudbet. Rabbi Eliezer Amar, En lo le Adam, Beyom Tov Ela, O Ochel, O Shote, O Yoshev. Rabbi Eliezer, d'un ton un tant soit peu péjoratif, il dit c'est quoi Yom Tov? Voilà. Voilà, il dort, voilà, il mange, il boit, il s'assoit. Zav Adat Hashem, voilà. C'est comme ça qu'on travaille Hashem. Couscous, boulette, Rabbi Eliezer, no comment. Ça n'intéresse pas. Rabbi Yehoshua Omer, Halkeo Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. Il dit, oh, Rabbi Eliezer, va t'arrotse. Là, il mange pour être bien, pour mieux servir Hashem, pour avoir des forces. Il kiffe, il va être heureux, il faut être sa mère dans la vie. Donc, il va se nourrir. Parce qu'on a besoin d'éléments dans ce monde où notre Yetzerara ne va pas nous laisser tranquille. Oui, on a besoin d'être bien. Et après, on te donne aussi à toi, Hachem. C'est très dangereux comme langage. C'est très dangereux parce que ça voudrait dire que des personnes qui ne comprendraient pas Chas Vesham Rabbi ou Shua, ils diraient voilà, l'Efelfe Avdalim, ça s'appellerait un peu du christianisme. À l'église, je suis un tzaddik, à la synagogue, moi je donne la tzedaka. Mais bon, il faut bien aussi que je me kiffe la petite gonzesse et puis les vacances mélangées. Et puis, Chas Vesham, ce n'est pas du tout ce que veut dire Rabbi Yehoshua. Qu'il n'y ait pas d'erreur dans la compréhension, ce n'est pas du tout ce dont parle Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, il vient dire quelque chose de totalement différent. Rabbi Yehoshua, chers amis, vient nous dire que à Kadosh Baruch Hu, quand un juif, il est content, quand un juif, il mange un couscous boulette le vendredi soir, c'était pas utile. Quand Rabbi Yehoshua, il te dit que, par exemple, tu bois une bonne bière, les votre Shabbat Kodesh, ou un verre de Boucha, ou d'Anisette pour les Algériens, ou de Mihaya pour les Marocains, et que tu dis, ah, Baruch Hashem, Rabbi Yehoshua, il te dit, mais Hashem, il est en toi, il kiffe ça. Parce que Rabbi Yehoshua, il dit, mais quand un père, il voit son enfant heureux, il est heureux ou pas heureux? Il est heureux. Rabbi Eliezer, il fait, ah, de travailler Hachem comme ça. Bizarre. D'accord ? Est-ce que Akadosh Baruch Hu est en nous ? Oui. Quand on est bien, oui. Si le plaisir que tu prends de ce Shabbat et son prunat citra de Kdusha, alors Akadosh Baruch Hu, mais il est sa mère, le Ari Akadosh, nous apprend que quand un juif mange le Shabbat Kodesh, dès qu'il va dormir, ce sont les tzadikim du Gan Eden qui descendent en lui, dans le ta'anouk de la nourriture de Shabbat. Il kiffe la nourriture du Shabbat. Donc ça va selon la svara de Rabbi Yehoshua, et pas celle de Rabbi Eliezer. La reine, quand on veut savoir où on va, il faut d'abord comprendre d'où on vient. Qui est Rabbi Eliezer et qui est Rabbi Yehoshua? On est obligé de faire un petit récapitulatif, un tant soit peu synopsis, on va dire, de leur vie, pour comprendre quelle est la source énergétique spirituelle de ces deux grands
Tanaïm de l'histoire. Amar Rabbi Yoshua, Halkaou, Chetzol Hashem, Chetzol Adam. Alors cette phrase-là, elle fait très peur. La moitié pour Hashem. D'ailleurs, dans l'éducation, vous le verrez, quand vous dites à vos enfants, bon, t'as joué, t'as mangé, t'as rigolé, t'as machin, va étudier un petit peu. Donne aussi un peu à Hashem. On a un peu cette notion de nous, va faire quelque chose pour Hashem. Ça voudrait dire quoi pour Hashem? Ça veut dire en d'autres termes, même si toi, tu n'en ressens pas de plaisir personnel, l'air va faire plaisir à Hashem, va étudier la Torah. Encore une fois, je préviens, cet enseignement de Rabbi Yoshua peut prêter à confusion, être dangereuse dans les mochines. Vous savez, à Valperou Shadava, que Rabbi Yoshua, il te dit, non, il y a une mitzvah de manger les chalos seudot de Shabbat Kodesh, les trois seudot. Il y a une mitzvah de chanter en l'honneur d'Hachem. Il y a une mitzvah de bien dormir. Chez Neymar Shabbat, chez Nab Shabbat Ta'anoug, le sommeil de Shabbat, tu le kiffes. D'accord? Donc tu vois bien que tout le union, c'est Oneg Shabbat. Et la marloquette dans la Gemara est de savoir, elle pose la même question d'ailleurs, cette Gemara. Elle dit Oneg la Adam ou Oneg la Hachem? Est-ce que tu fais Oneg pour le Shabbat ou est-ce que c'est toi qui dois faire Oneg? La Halakha, elle a tranché comme qui? Comme Rabbi Yoshua. S'il ne veut pas boire du vin du Kiddush, il n'aime pas le Kiddush. S'il ne veut pas manger de viande, il ne mange pas de viande. S'il ne veut pas manger du poisson, ce n'est pas bon pour lui, Shabbat. L'alakha, asurlo l'aïchol. Oneg, katou. L'alakha, tu n'as pas le droit. Les gens, ils comprendraient, ils te disent, non mais goûte le verre, mais goûte quand même, c'est une mitzvah, mais goûte une petite goutte. Aval zemagai, l'orot se lishtot, matarot se mimeni. L'okhayav, il n'est pas obligé. Alakha paska, Rabbi Yoshua. D'accord? Amar le atzmo, shtezrotav, shen, kishne sefer, Torah. Amar Rabbi Eliezer. C'est normal, toi, Rabbi Yoshua et moi, on n'est pas de la même ligue. Moi, mes deux bras, il lui a répondu, ce sont deux sifrei Torah. Mes deux bras, lui a dit Rabbi Eliezer, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu, lui a dit. Arben amati shimiyu kol hayamim dio. Et a dit Rabbi Eliezer, sache que mon niveau de Torah et mon élévation spirituelle qui correspond à mes enseignements, pas David, est si grand que si tous les océans étaient de l'encre, que tous les roseaux, les arbres, les branches, les pailles de ce monde étaient des kulmusim, des plumes, vers ol adam, lavlarine, et que je pourrais prendre tous les hommes de la terre pour pouvoir écrire ma Torah, et nam yechonim lektor ma shekarati veshaliti veshniyachat. Cela ne me suffirait pas pour transcrire ce que j'ai été capable de voir en un seul clin d'œil du monde d'en haut. Comme ça dit Rabbi Eliezer. Personne n'est conscient de la vérité du monde d'en haut. Vous vivez dans un monde fermé, restreint, complètement ignorant du monde de la vérité, dit Rabbi Eliezer. Et si tous les océans, les fleuves, les lacs, tout ce qui est liquide sur terre, c'était de l'encre, cela ne me suffirait pas pour écrire ce que mon œil a ouvert et fermé comme un clin d'œil du monde d'en haut. Donc Rabbi Eliezer est en train de dire en deux mots, Rabbi Yoshua et Mkola Kavod, on n'est pas juste de la même ligue. Donc ce n'est pas qu'il dénigre ce que dit Rabbi Yoshua, mais ce que veut dire Rabbi Eliezer, c'est que je n'appartiens pas au même niveau que toi. On n'est pas dans le même monde, toi et moi. Manien. Matsinu be'avod Rabbi Natan, imkola chachmi Israël be'kaf nosdaim, Rabbi Eliezer ben Orkanos be'kaf shniyah, machdiat kulam. Il dit ça, on le sait très bien, puisque dans la Gemara de Maseret Avot, il est marqué noir sur blanc que si on pouvait prendre tous les Chachamim de la génération de Rabbi Eliezer et qu'on prendrait Rabbi Eliezer de l'autre côté, il était à lui tout seul plus grand que tout le monde. Donc on sent très bien qui est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer à lui tout seul équivaut la force mentale et la connaissance de tous les Tanaïm. Tous. Rabbi Eliezer dans son Torah. Le Chachamim sont purqués de Rabbi Eliezer. Chez Rabbi Eliezer, Aya, Yeshev, Edoresh, Baran, Mirot, Kaor, Chama, Vekarnotav. Qu'est-ce qu'on a vu comme Moshe Rabbeinu dans l'histoire où il était obligé d'avoir un rideau sur le visage parce que personne ne pouvait contempler son visage? Rabbi Eliezer. Shaya or keren or yotzelo mipanav. Ça veut dire qu'il était comme Moshe Rabbeinu dans la Torah, comme si il venait lui-même de recevoir l'étape de la loi d'en haut. Yotzot kekarnotav shel Moshe ve'en adam yoda im yom v'im laila. On disait de Rabbi Eliezer que quand on rentrait chez lui, il était impossible une fois chez lui de dire s'il faisait jour ou nuit dehors. Parce que s'il faisait complètement nuit, c'est pas comme aujourd'hui, on a des lampadaires dehors, on a de la lumière. S'il faisait nuit en pleine nuit à 3h du matin, par exemple chez lui, il avait une telle aura qui sortait que dehors il faisait jour. Rabbi Eliezer. Ça fait un petit peu dessin animé dans la tête. Ah ben c'est pas une blague. Rabbi Eliezer, il y a oro
que Chama. Sa peau était aussi luisante que la lumière du soleil. Vezachal echol zem chamat shaya parush legamre mitanuga olamazem. Et pourquoi maintenant il vient nous dire ça? On a posé la question à Rabbi Eliezer, on lui a dit, mais comment tu as pu atteindre un tel niveau de Torah? Il a dit, parce que moi j'étais koulou l'Hachem, tandis que vous perdez du temps. Perdez du temps avec manger, boire, rigoler, perdez du temps. Moi je suis devenu ce que je suis devenu parce que Haïti kol imechayai koulou l'Hachem. Effectivement, la Gemara dans le Sechet Nedarim nous dit, à la Davka Famulbet, chez Rabbi Eliezer, Aya Meshemesh Mitato, Be'ema ou Be'a Kilou, Kefao Shed, l'Oralim de l'Alechem. La Gemara nous dit, bon, il y a un peu d'enfants ce soir, donc je ne peux pas me permettre d'expliquer clairement, mais Rabbi Eliezer, quand il allait avec son épouse, il était dans une telle situation qu'il fallait que ce soit son côté animal, il s'est marqué Shed, on parle de démon, il fallait qu'il soit poussé comme par un démon pour qu'il accepte de faire la mitzvah de prière véridia, qui était pour lui la mitzvah la plus difficile, 613 mitzvot. Je ne sais pas si vous prenez n'importe quel juif. Hein, comme Rabbi Nachman et comme Yaakov. Yaakov, nous, c'est marqué aussi que tous les grands de la Torah qui étaient farouches, mais non lamazés. Et pourquoi, Dafka, on a besoin de nous donner cet exemple? Parce que tous les plaisirs de ce monde, ouais, quand la femme, elle annonce à son mari que demain, c'est le mikvé, c'est la mitzvah préférée de tous les juifs. Chez Rabbi Eliezer, chez Rabbi Nachman, chez tous les grands de la Torah qui étaient à un niveau détaché de ce monde, ils disaient, c'était comme s'ils étaient poussés par un démon tellement ils ne voulaient pas y aller eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas leur femme. Hein. Personne ne peut aimer un juif comme eux l'ont aimé, à plus forte raison leur épouse. C'est que ce côté bestial qui devait venir en était tellement... ce n'est pas la mitzvah elle-même, clown, l'autre sarir. Lit, l'autre sarir. Ce n'est pas notre niveau à nous du tout. Il est vrai qu'on soit fidèle et qu'on soit avec nos femmes et qu'on soit gentil et que... Comment, par exemple, il a eu le sroud du Gilou Yelou Anavi? Alors, vous voyez un petit peu qui est Rabbi Eliezer. Il est venu Shabbat, on lui a dit, c'est Ouda Rishona. Il a répondu, Rabbi Eliezer, ouais, je m'en fous, c'est pas mon Tanoug. Je répète, on a dit à Rabbi Eliezer, c'est Ouda Rishona, c'est Shabbat Kodesh, mais tu vas t'asseoir d'oreille, nous, il faut venir, comme Gilou Vanishraï. Quelle est la mitzvah principale du Shabbat? Les Shalosh Seudot. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est vanté toute sa vie de ne jamais avoir raté une Seuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Kol HaKavod, c'est pas mon Tanoug. On est que Shabbat. Dieu, il n'en ressent rien vraiment de tout ça. C'est moi qui kiffe, lui qui kiffe pas moi. C'est pas de mon niveau. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Aya Ochel Otchot HaTorah. Une fois Rabbi Moshe Deri, Zatzal. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, parce que j'avais appris de lui qu'il s'enfermait pendant 2 semaines d'affilée sans sortir de sa chambre. Vous avez parlé de ça il y a longtemps. Et chez lui, à la maison, je lui ai dit que Vodara, sans boire et sans manger 2 semaines, c'est impossible. Il m'a dit non, j'ai menti, je bois et je mange. Ah, je regarde sa phrase. Ah, non, je lui donne rien. Non, j'ai pas fini ma phrase, mon fils. Je bois de la Torah, El Maïm et la Torah, et je mange des chidushim. La dame, il peut vivre pendant 2 semaines comme ça. Il me dit, si tu savais, c'était quoi une âme juive? Rabbi Eliezer, 2 Shabbatot de suite, jeûnait, y compris Shabbat. C'est pas qu'il jeûnait. On a vu ça aussi chez le Baal Shem Tov. J'ai raconté pour ses élèves. Les élèves du Baal Shem Tov Roger, ils ont dit, Kvod Harav, ça fait 6 jours que vous ne mangez pas. Il a dit, Hasbe Shalom, je ne jeûne pas, j'ai juste oublié de manger. Nous, on va peut-être oublier d'étudier. Mais jamais on oubliera un repas. C'est juste qu'on comprenne le niveau. Le Baal Shem Tov, Wadaraf, ça fait 6 jours que vous jeûnez. Il dit, Khad, je ne jeûne pas. J'ai oublié de manger, c'est tout. Le Rav Stapler, Hatzal, il était tellement chakoua dans l'étude de la Torah à Bnei Brak, qu'une fois on a tapé à la porte. Il y avait la machine à laver, les grosses machines d'époque. Et sa femme, pour mettre la machine à laver, elle prenait de la poudre. Okay. Elle le mettait dans un bocal, il préparait comme à l'époque. Moi, je ne connais pas cette époque, mais il préparait la poudre. Ce n'était pas comme aujourd'hui, tu mets du Bonux ou du Ariel ou tu mets ce que tu veux. Il fallait préparer une espèce de substance savonneuse comme ça, que tu mettais après dans le trou d'une machine à laver qui était énorme pour laver 2 kilos de linge. Ouais. Quand ça a tapé à la porte, elle a pris une cuillère à soupe et puis elle a mélangé le savon. Et elle l'a déposé à côté de son mari. Pour aller ouvrir la porte. C'était quelqu'un qui demandait la tzedaka, elle s'est un peu attardée avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement chakoua, il a vu comme ça un bol de soupe avec la cuillère. Chakol, il a mangé le savon. Oui.
Quand sa femme est repassée, il est tisqué les mitzvot, Todaraba, Taïl, Eze, Echet Haïl. Eze, Echet Haïl, il avait les bulles qui sortaient de sa bouche. Il avait les bulles qui sortaient de sa bouche. C'est-à-dire, Mazem Echane Kel Ta'am Sa. Il mange, il ne se rend même pas compte de ce qu'il mange. Je ne sais pas ce que je recherche. Qu'est-ce qu'il recherchait? La bracha. Rabbi Eliezer, pour ne pas perdre de temps, quand des fois sa bouche était tellement en train d'étudier la Torah, il devait quand même mettre quelque chose dans la bouche, il ramassait de la terre, des racines, qu'il nettoyait avec sa main, et il mettait de la terre dans sa bouche. Tzaloul, pur, jusqu'à ce que son haleine soit devenue fétide, insupportable. Amroulo Rabbi Yochanan ben Zakkai, son rave qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui a dit Sheshmona yamim lo ta'am klum. Je témoigne et j'ai vu Rabbi Eliezer durant 8 jours ne rien mettre dans sa bouche. Rien. Allez, on met Torah, 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 Torah. Le ma'asiot ha'ilu sheyu bitrilat darko shel Rabbi Eliezer kvar ruim she'en shitato ba'avodat Hashem. Il te dit ici un grand chidouche pour celui qui a étudié cette Gemara. Ne crois pas que Rabbi Eliezer, il n'a pas bu ni mangé pendant ces 8 jours parce qu'il n'a pas voulu déranger Rabbi Yochanan dans l'absolu. Mais que dans sa Avodat Hashem, selon Rabbi Eliezer, c'est comme ça qu'on sert Hashem. Une fois, un Mekoubal m'a raconté, il étudiait avec un élève. Et il a renvoyé cet élève. Parce qu'il n'arrêtait pas de lui dire quand est-ce qu'on va dormir, quand est-ce qu'on va manger. Il a dit, mais tu penses qu'à ça? Il a dit, non, je suis fatigué, c'est tout. Ceux qui étaient les spécialistes de ça, mais qui disaient rien, les spécialistes, je parle de ça il y a à peu près 200-300 ans, ceux qui avaient cette Torah-là en eux, d'équilibre absolu, c'était les Tunisiens. Les Chachamim de Tunis, comme ça dit le Chida Akadosh. Les Chachamim de Tunis, ils avaient une Torah d'eux, à tel point que le Chida a dit, Rabbi Haïm David de Sefazoulaï, qui est d'origine marocaine, il a reconnu la suprématie des Tunisiens, il fallait bien que ça arrive une fois dans la vie. Il a dit, moi, le Chida, je peux témoigner et dire qu'il met tout Nis Titzetora. Pourquoi? Parce que les Chachamim de Tunis ne mangeaient que des choses qui dérangeaient leur estomac afin de rester éveillé toute la nuit, debout, en train d'étudier la Torah. Un demi-agneau. Hein? Un demi-agneau. C'est pas la peine de le dire. Un demi-agneau. Après, ils vont croire que c'est Obélix. Shaita Perushut Gumura Mikol Tanugé Olamazé. À un tel point que chez Rabbi Eliezer, il avait travaillé tellement ses vertus que ni l'équitation, ni la piscine, ni manger, ni les restaurants, ni les hôtels ne représentaient à ses yeux absolument rien. Moi, je voudrais vous poser quand même une question au niveau psychologique. Comment c'est possible? Il est né d'un père et d'une mère, il a grandi comme tous les autres juifs, il avait cette attirance, certes, on sait qu'il est le nitzotz de Moshe Rabbeinu, on le sait, mais qu'est-ce qui aurait pu donner à Rabbi Eliezer une telle puissance d'être kolkar parouch minor lamazé? Parouch veut dire déconnecté du monde d'en bas. Comment? Pardon. Moi j'ai connu une personne comme ça. Son père, celui qui était très riche. Moi j'ai connu une personne comme ça, qui était très matérialiste. Et après un événement, cet homme-là vit complètement séparé du monde. Rien, absolument, rien ne l'intéresse du monde d'en bas. Rien. Ni le sommeil, tu peux lui mettre des clous sous son lit, il n'en a rien à faire, il ne le ressent plus du tout. C'est une personne qui est mort clinique. C'est un homme, Chiloni, qui a eu un accident de voiture. Il est rentré dans un semi-trailer, comme on dit en français, un gros camion, une semi-remorque. Et son âme, bien entendu, a quitté son corps, il a été jugé en haut. Le Rav Moshe Constantine. Je parle avec lui. Il m'a dit, il n'y a rien. Tu peux me donner autant de l'auto que tu veux. Tu peux me donner la voiture. Après ce que j'ai vu... Parce qu'il a vu le Hor HaGan Eden. Il a vu la lumière qui mène au Gan Eden. Non, il a juste vu. Il m'a dit, j'ai vu de mes yeux, en dehors de mon corps, le salaire du monde d'en haut et des choses que je n'ai pas le droit de raconter. Et en fin de compte, il était en train de me faire le livre de Messilat Yesharim, mais avec ses témoignages à lui. Et il m'a dit de sa bouche, il m'a dit, Tachlès, tous les plaisirs de ce monde ne sont que vanité à côté du monde réel. On vit dans un monde de mensonges. On vit vraiment dans un monde où on ne fait que des mitzvot. Il faut se servir de tout ce monde, dit le Rav Constantine, mais vraiment que pour Dieu. Parce que là-haut, c'est le monde de vérité, et ça n'en finit pas.
m'a même dit une phrase comme ça avant de me quitter, c'était à Jérusalem. Il m'a dit, je vais te donner un secret de ce que j'ai vu. Je lui ai dit, qu'est-ce qui va me sortir ? Intéressant. Bon, je vous le dirai la prochaine fois, c'est pas la peine. Ah, je plaisante, calmez-vous, je plaisante. Il m'a dit, je vais te dire un secret que j'ai vu aussi. Je lui ai dit, lequel ? Il m'a dit, En sof la kadosh baruch hu la tête. Il n'y a pas de limite à ce que peut donner Dieu. Alors travaille Hachem. C'est pas style. Tu prends ça, tu prends 7000 shekels. Tu fais ça, tu prends 10. Après, 100 000, c'est le plafond. Chez Dieu, il m'a dit, il n'y a pas de plafond. Tu montes et tu montes. Je dis quoi, le tanoug, il peut monter. Il m'a dit, tu ne sais pas de quoi on parle. Si Dieu donnait le plaisir de Gan Eden dans un homme sur terre, son corps, il explose. Son corps explose. Tellement la joie serait grande. Quand tu dis mourir de rire, il mourrait de joie. C'est pour ça que c'est un salaire que Dieu ne peut pas donner sur terre. Il ne peut donner que en. Tout ça parce qu'il a travaillé 3 mitzvot. Et il a fini d'ailleurs dans sa vidéo qu'on avait fait ensemble, vous vous rappelez ? Je vous préviens, si tu n'as pas de Torah ou Maasim Tovim, ne meurs pas. Si tu n'as pas de la Torah dans les mains, des bonnes actions, ne meurs pas. Et après, il a fini avec une phrase qui paraît tellement ridicule. Il a dit dans la vidéo comme ça qu'on avait filmé, vous vous rappelez ? Il a dit, et vous les jeunes, soyez très gentils. Je crois que c'était Chantal Goya, moi, qui parlait. Vas-y, soyez très gentils. Vas-y. Il a dit, tu viens du monde que moi j'ai vu, je te conseille d'être dans ce monde, quelqu'un dont dit, cet homme-là était très gentil. Tienechmad. Parce que dans le ciel, rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Ni ce qu'ont vu tes yeux, que Dieu nous protège, ni ce qu'ont entendu tes oreilles, ni les paroles que tu as sorties, encore moins les actions que tu as faites. Rien n'est oublié, pour le meilleur comme pour le pire. Sauf si bien sûr tu as fait tes chemins. Tu attends Roger ? On est tellement loin, ces tzadikim là, que les tzadikim, toi tu penses que tu es plus loin que les tzadikim. Non, mais c'est vrai. Quel tzadik toi tu parles ? Tu plaisantes ou quoi ? Un garçon comme toi qui vient prier, shaharit, mincha arvit, qui vient cours de Torah en 2017 de l'ère vulgaire dans quelques jours, mais tu es plus grand que les Tanaïm. Cette déa là, c'est la déa de tous les grands d'Israël. Le Rav Ovadia l'a dit ouvertement. Dans cette génération, celui qui étudie la Torah, il est plus grand que ceux qui ont vécu avant nous. Il n'y a jamais eu autant de. Yetzerara, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça, je ne sais pas. Mais de propositions pour fauter, il n'y en a jamais eu comme aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les propositions sont devant toi pour que tu tombes. Et si tu ne vas pas, c'est eux qui viennent te chercher. Et avec ça, tu viens dans le Beth Knesset en 2016 de la vulgaire, que vos autres sadiques. Ouh, bien, là, fais-moi une autre fête. Ou tu viens de rigoter, que dollars, que moi je suis les airs, que dollars, ça va, chez l'Ocher, qui t'aneg, à la Chem, les gammes à la Chem, les achats. Au milieu de Madriga, on a, ah, chez l'Ocher, imila. Yoshev et Shoné. Donc Rabbi Eliezer dit ici, c'est de Chachamim, chez lui, il n'y a pas de Chetsu la Adam. Il dit Rak Chetsu la Chem. Pour Rabbi Eliezer, d'être conscient que de servir Dieu, c'est le plus grand cadeau qu'un homme puisse recevoir, on ne peut pas laisser tomber le cadeau. Donc si, dans ce que tu fais, il n'y a pas 100% pour Dieu, et non pas 50 pour moi, 50 pour Hachem, c'est la vérité. Quand tu fais une fête de bar mitzvah, tu prépares, je vais les faire kiffer. Je ne veux pas le photographe, je veux le sculpteur. Ça ne sert à rien. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que. Quelque part, c'est vrai, tu fais aussi des choses pour toi. Rabbi Eliezer, il dit dans le service divin, tu ne peux pas servir Dieu comme ça réellement. Ça peut être que pour Hachem. Pour Rabbi Eliezer, quand tu fais une bar mitzvah, qu'est-ce qu'il doit faire le bar mitzvah pendant toute la soirée ? Dvar Torah. Bezem ishtahashe Hachem. Ta shrina, elle descend, comme c'est marqué à propos de Rabbi Eliezer. Ils étaient à un mariage. Écoutez, c'est très d'arcade. Ils étaient à un mariage, et le père de la mariée, il est parti voir les Tanaïm. Vous êtes venu mettre le feu à mon mariage ? Pourquoi ? Parce que pendant qu'ils étudiaient, alors tout le monde était en train de danser, il dit ouais, tout. Oh, yo, il y a une table. Là-bas, il n'y avait que des Tanaïm. Et il y avait une colonne de feu qui partait de la table jusque dans le ciel. Et ils pensaient tous qu'il y avait le feu qui avait pris, tellement la lumière était forte. Alors, il a dit à Rabbi Eliezer, le feu, vous êtes venu mettre à mon mariage ? Il a dit, Torah là maintenant. C'est la Torah que nous étudions. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, Rabbi Eliezer ? Votar Rabbi Eliezer, il a mis ses yeux en haut. Il a vu ce qu'il y avait réellement. Il a vu ce que Dieu avait préparé pour l'homme qui étudiait la Torah. Depuis, il ne peut plus faire autrement. Son père, il lui a dit, je te propose toutes mes affaires. Je te nomme directeur sur tous tes frères. Il lui a dit, cela ne m'intéresse pas. Achila b'shteya ma'usim etzlo v'afilu b'yom tov. Là, ça va très loin dans les mots de Rabbi Eliezer. Il dit,
que la nourriture même de Shabbat et de Yom Tov, contrairement à la Gemara qui nous dit que la nourriture de Shabbat, il y a une épice de Shabbat Kodesh, au niveau de Rabbi Eliezer, manger Zemaous. C'est dégoûtant. Parce que pour lui, il n'y a aucun plaisir là-dedans. Il disait Rabbi Eliezer, ok, donne-moi un plat. Ouais. J'ai fait la mise. Qu'est-ce qu'il faut goûter? Un peu de poisson? Super, dégage. Peu de viande? Super, dégage. Le pois chiche? Super, dégage. Je fais la mise. Les chassidim, par contre, qu'une fois le Baal Shem Tov Zatzal, il a dit à ses élèves, vous voulez voir c'est quoi un vrai Eved Hashem, un vrai Shomer Shabbat? Les élèves, ils ont dit qu'elle, au Tim Nilmod. Il leur dit, venez avec moi. Il les a emmenés à travers une forêt, ils ont traversé un village, des villages. Et puis à Shabbat Kodesh, ils sont partis au Mikvé, ils sont partis se préparer, les Khadodi, Khadkala. Et le Baal Shem Tov, il leur dit maintenant, avant d'aller à l'auberge pour qu'on puisse se restaurer des rois de Shabbat Kodesh, venez, je vais vous montrer c'est quoi un vrai Eved Hashem. Alors, très bizarrement, ils ont mis les yeux comme ça à la fenêtre, ils ont regardé, et puis ils ont vu une chaumière très pauvre. Un couple à l'intérieur, tout vieux. Apparemment, les enfants étaient déjà mariés, ils avaient fait leur petit nid. Et puis, la femme, elle dit, tu me dis quand je sers les salades. Alors, il lui a dit, serre les salades. Elle vient avec une casserole de petits pois, et elle lui met une cuillère de petits pois dans son assiette. Et lui, il commence à manger la salade. Il est comme un fou. Après, certains chants qui racontent comme ça, les Ashkenazim, ils dansent, alors ils tapent des mains, ils dansent, ils font le tour de la table, ils dansent avec sa femme. Shabbat Kodesh, Shabbat Kodesh. Il dit, je te sers quand tu veux le poisson, maintenant. Elle ramène la casserole de petits pois, elle lui met une deuxième cuillère de petits pois. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il est bon ton poisson. Bon. Après, elle lui fait, c'est du gefilte fish, tu ne racontes pas la tronche. Après, elle lui fait quoi? Je te sers le bœuf. Tu veux de la langue de bœuf ou tu veux... Non, de la langue de bœuf avec de la moutarde. C'est un médine de Shabbat Kodesh. Elle revient avec la même casserole, elle lui remet une cuillère de petits pois. Et qu'est-ce que tu veux comme dessert? Strudel, schmuschne, un truc comme ça. Elle lui dit qu'elle... Il est venu avec la quatrième cuillère de petits pois, il lui a mis dans son assiette. Les élèves, ils ont regardé le Baal Shem Tov, il a fait... Non, c'est vrai que... allô, la police? On en tient là. Et celui-là, il est bon. Il a du goût. Le Baal Shem Tov, il a regardé ses élèves, il a dit, allez, vaille qu'on arrive à ce niveau-là. Mazeme chané, si c'est du poisson ou de la viande. Ce tzaddik-là, il leur a dit, il est mehaneg et hachem. Il n'a pas les moyens. Quand il est parti au chouk pour Shabbat Kodesh, le sou qu'il avait lui a permis d'acheter exactement 8 cuillères de petits pois pour sa femme et pour lui. Mais il ne veut pas levatel à la misva du poisson. Il ne veut pas annuler la misva de la viande de Shabbat. En seouda el abbasar bakar. Il n'y a pas de seouda, ce n'est pas de la viande. Il a dit à sa femme, on a acheté tout ce qu'on avait, c'est tout ce qu'on a comme argent pour honorer le Shabbat. Ma kavana, c'est de manger du poisson maintenant. Mais moi, je n'ai que ça. Moi, ce que j'ai que ça pour moi, je m'en fiche. Hachem, si j'avais les moyens d'acheter du poisson, j'aurais acheté du poisson pour toi. Mais je n'ai pas les moyens. Alors je vais quand même dire le mot poisson, parce que c'est ce que j'aurais voulu pour t'honorer toi. Et je mange des petits pois. Parce que moi, ce que je ressens, c'est important. C'est pas important ce que tu as dans le plat. Et je ferai une parenthèse qui me casse les pieds. Une parenthèse qui me rend un peu vulgaire tunisien. Ce sont ceux que tu invites à tes mariages et tes bar mitzvot et qui te disent... Non, mais tu sais, moi, si je suis séparé, je viens pas. M'la raha. M'la raha. Barafil knif. Mais j'ai une question à poser à tous ces gens-là. Ah, si c'est pas, et si c'est pas. Pour qui tu viens? Pour qui tu viens? Tu viens pour le khatan et la kala? Tu viens pour le bar mitzvah? Ou tu viens pour toi? Chez l'ac de la méode. Si tu viens pour le khatan et la kala, et qui font pas comme ils ont fait un copain à Paris, le pauvre, il s'est marié, il a fait séparer. Shmata, ils ne sont pas levés. Toute la soirée, ils ne sont pas levés. Oïla Mbeyomadin. Quand vous regardez dans ma sechet, Avodah Zarah, Bedav Bet Amud Bet, Amud Gimel, Rabotah, il y a marqué là-bas que quand les nations du monde,
quand le Créateur du monde va se dévoiler et que tout le monde va voir la vérité, tout le monde va courir vers Hachem. Les nations du monde vont dire, nous on adorait les Juifs, tout ce qu'on a fait c'était pour eux, on a fait des ponts, faut bien qu'ils aient étudié la Torah, on leur a raccourci pour pas qu'ils passent par les fleuves. Dieu leur dira, vous avez fait des ponts pour mettre des marsomines, le mechès, je sais pas comment on dit, les douanes, pour leur prendre de l'argent, c'était pour vous. Mais les autres ils vont dire, mais nous on a créé des bains, des mikvaot pour que, ça dit, on a participé à leur étude, on leur a fait des bains. Dieu leur dira, bien sûr, avec des filles pour masser, pour faire Zera Levatala. Tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous. Voilà ce que nous dit la Gemara. La question, c'est que quand tu fais Shabbat, quand tu fais Yom Tov, quand tu prépares tout ça, Aïmata Mechaven Akadosh Baruch Hu. Entre la marque 4, entre Rabbi et Yeshua, Rabbi Eliezer, est-ce que ce que tu fais, c'est en l'honneur d'Hachem? Il y a un mec qui m'a dit, je me suis pris la tête avec ma femme, elle fait la sponja, je suis fatigué, je suis massita, mais je fais la sponja. Qu'est-ce qui t'a donné la force? Les rois de Shabbat. Les faits. La Gemara de Sret Shabbat, de Dafkoufioutet, on parle là-bas de Saint-Conquir Shabbat, vous vous rappelez? Tout ce qu'il faisait lui, c'est les rois de Shabbat Kodesh. Tu sais? Des fois, ta belle-mère, elle est à table. Ton beau-père, il est à table. Belle famille. Des fois, ta femme, elle ne fume pas, elle a envie de fumer. Ouais? T'as envie de l'éclater. T'as envie de mettre les poings sur les i. T'as envie de renverser la table parce que tout est pesant. Toutes ces épreuves qu'on a, c'est pour la marloquette. Chetio l'Hachem, chetio l'Adam. Tu manges. Mais comporte-toi aussi pour moi, je suis là. Et vous voulez une preuve? Allez, je vais la jouer chutzpah. J'ai déjà sorti dans plusieurs cours, c'est pas grave. Je te prends au hasard. T'es à table, ta femme te prend la tête. Elle te dit un truc que normalement tu l'as fini en coup de boule. Ou t'as les boules ou tu mets un coup de boule. Mais je suis l'invité à toi, à table chez toi. Comment tu vas te comporter? Hein, chérie. Hein, là, t'as mis de baillèche. T'as pas t'énerver, il y a un tuto avec toi, c'est honteux, il faut faire bonne figure. Ce qu'il dit, Rabbi Eliezer, il dit, il y a Hachem avec toi. Hachem, il te parle constamment, comment tu peux manger. Ça, c'est Rabbi Eliezer. On n'a pas ce niveau-là. On n'a pas ce niveau-là. On va voir la suite. Et Rabbi Eliezer, il dit, t'es un ogin personnel, je n'en ai rien à faire. C'est sa déa à lui. Velachen Amar. Okolo Hachem, okolo Lachem. Rabbi Eliezer est extrémiste. Il dit, un truc que les Tunisiens n'auraient jamais accepté, ou tu es complètement pour Dieu, ou tu es pour toi. Il n'y a pas de demi-mesure. Rabbi Yehoshua, il dit, ma pitom, toi et Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que c'est, tu dis? C'est dur à donner comme ça. Non, qu'est-ce que tu dis? Je te sens concentré dans l'histoire. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, c'est déjà bien. Moi, c'est déjà pas mal. Ah, oui. Ils comprennent pas les yiddish ici. Dimeshe Madrigal et Megal Hachem. Celui qui est capable de servir Hachem et de ressentir Hachem dans ce qu'il fait, il n'a pas besoin de ces choses d'en bas. Le Rambam, c'est bizarre parce que lui, dans l'Ilchot Deot, il dit le temps se divise, dors 8 heures, ouais, travaille 8 heures, étudie 8 heures, mange bien, dors bien. Rambam, fais du sport. Et pourtant, qu'est-ce qu'il écrit dans les 13 attributs, Rambam? Qu'est-ce qu'il écrit le Rambam? Ve'en avoda lezulato. Il n'y a pas de travail sur terre qui ne soit le travail de travailler pour Hachem. Azalom istader. D'un côté, il te dit, kiftaras, fais du sport. Rambam, il oblige chaque juif à faire du sport. Pas on est en triangle comme ça. Il veut des triangles comme ça. Fais du sport tous les matins, chaque sport. Non, Rambam, il te dit, il n'y a pas d'autre travail sur terre que de servir Hachem. Ce que veut dire le Rambam, lui, c'est l'équilibre des mondes. Rabbi Yehoshua, il dit, non, la moitié pour toi, la moitié pour Dieu. Rabbi Eliezer, il dit, que pour Dieu. Viens le Rambam, et qu'est-ce qu'il dit? Tu fais les deux, mais tout pour Dieu. Ça, c'est ce qu'on vit, c'est à la Khalema, c'est ce que je viens de dire, c'est pour nous tous. La réponse est de dire, en réalité, je vais tout faire, mais pour Hachem. Dougma, quelqu'un fait du tennis. Tu l'arrêtes, tu viens le voir et tu lui dis, Habibi, pourquoi tu fais du tennis? Je sais pas, tu me veux. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le chiour. Après ce chiour, je viens te voir et je te dis maintenant, monsieur Fitoussi, pourquoi tu fais du tennis? Tu vas me répondre parce que tu as envie. C'est pas une réponse. Pour être en forme, pour me servir à Hachem. Donc comme lui, il va faire un passing shot, il va lever le Sefer Torah, il imagine que le passing shot va lui faire. Sérieux.
pourquoi tu ferais du tennis? Il y a une réponse à donner de la Gemara. Simple, très simple. Merci. Première option, j'en ai besoin. Je suis stressé, j'ai besoin de me décompresser. Ça s'appelle nof. Deuxième explication, pourquoi est-ce que je fais du tennis? Tout simplement parce que j'ai du yetzerara, j'ai de l'énergie en moi qui est négative, je préfère le taper sur une balle. C'est un enseignement des Chachamim. Pourquoi le Rambam dit de faire du sport? Il dit qu'au lieu de jeter ton dévolu sur les gens, va taper sur un sac, va t'entraîner. Des fois, fais du sport, tape ta balle. Comme ça, dit Rabbi Moshe Leri au Maroc, quand ils étudiaient au Cheder, contrairement aux yeshivot modernes d'aujourd'hui où le sport est considéré comme étant une abomination, les tzaren noara, ouais, eh bien, il m'a expliqué Rabbi Moshe Leri au Maroc, quand ils étudiaient très très assidus, allez jouer au ballon, tapez, faites du sport. Pourquoi? Pour sortir l'énergie dans le... Alors, vadaï que même là-dedans, il doit y avoir un service divin. Il lui a répondu, chacun voit son plaisir comme il le veut. Si moi, de servir Hachem, c'est en mangeant bien, et je voudrais te finir avec une dernière réponse, M. Fitou, c'est très importante, qui est la plus belle réponse que donne d'ailleurs Rabbeinu. Rabbeinu, il dit que... Alors Rabbeinu, lui, par contre, il vient... Alors lui, il est incroyable. Rabbi Nachman de Breslev, il est incroyable. Il vient caresser tout le monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu, il dit, il suffit de donner une seule réponse. Yivdou atashem besimcha. Si tu fais du tennis parce que ça te rend heureux, c'est pour tellement de raisons. Ça, c'est Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, alors lui, par contre, il est choquant. Il arrive à un tel degré qu'il dit que Dieu, il est dans la balle dans laquelle tu joues. Il est dans la raquette que tu tiens. Il est sur le terrain sur lequel tu te trouves. Rabbi Nachman, il te dit, quand tu vois quelque chose, si tu n'es pas capable de voir Dieu à l'intérieur, c'est que tu es encore très loin du travail divin. Donc vous imaginez qui était Rabbi Nachman. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, si tu le voyais en train de jouer, parce qu'il jouait à la balle, à l'âge de 17 ans, hein, ouais. Rabbi Nachman, quand tu dis, mais pourquoi tu joues à la balle? Il te regarde, mais quel imbécile. T'as pas vu que dans la balle, il y a aussi Hachem? Un truc de fou. Bon, je ne parle pas des matchs de foot Brésil contre machin, je ne parle pas de ces bêtises-là où les gens sont comme des malins en train de hurler par les fenêtres. Ouais, but! Je ne parle pas de ça. Je parle de la personne qui veut faire du sport, qui trouve un Tahanouk. Chez Rabbi Nachman, on le voyait jouer comme un enfant. Et qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me défoule. Alors il prenait une balle, Rabbi Nachman, il l'a jeté contre un mur, tu sais, comme une petite fille. Il prenait la balle et il jetait. Et un grand Mekoubal qui l'a vu, il lui a dit, mais t'as pas honte. C'est toi le fameux Rabbi Nachman dont tout le monde parle, tu joues à la balle contre un mur. Rabbi Nachman, il a prié pour lui, il a dit, ressent qu'il grandisse au niveau du Sechel. Il n'a pas vu que dans ce mur, il y a Hachem, que dans ma balle, il y a Hachem. Rabbi Nachman, il avait un niveau qui rejoignait tous les niveaux. Chez lui, en d'avoir casé, chetzo l'Hachem, chetzo l'Adam. C'est cool l'Hachem, vani Hachem. Vani petoch Hachem. C'est Hachem est en moi, et Hachem il est dans la balle, Hachem est dans toutes les molécules. C'est Rabbi Nachman. C'est extraordinaire. Mieux aussi faire du sport, c'est qu'il faut prendre soin aussi de son corps. En tout cas, il ne faut pas faire de tatouage, pas fumer, etc. Son corps, ça tu sais, je vais dire un truc que m'a dit mon fils Yehuda, que je bénisse son père. Yehuda m'a dit, c'est marrant, hein, tous les grands de la Torah, le Rav Obadiah Yosef, le Rav Eliashiv, le Rav Yorbach, le Rav Kadouri, le Rav Shach, ils ont vécu 110 ans, 108 ans, 106, ils n'ont jamais fait de sport. Jamais. La Torah, elle te donne la vitalité, et Dieu seul sait combien il est dur de marcher à côté d'eux, combien c'était des gens qui étaient, Rav Obadiah Yosef, à 94 ans avant qu'il parte de ce monde, l'herbe au chiouf, c'est un bulldozer, jamais fait de sport. C'est une question de niveau, ce qu'on va découvrir plus tard. La Gemara nous dit dans Psachim, Amar Rabbi Eliezer, Hakol modim ba'atzeret be'anan nam yilachem. Ma'itama yom shenishtana bo Torah, shela kavan sherabbi Eliezer, modeh sheyesh chashivut la'anat achila ba'atzeret. Ela kivan shebematan Torah yitchadesh ha'inyan she'elyonim yardu lemata ha'tachtonim, alu lema'ala, ve'efshar lekadesh et hadavar gashmi ba'atzmo la'alotu la'Hashem kekorban. Il dit nachon Rabbi Eliezer, mais depuis que la Torah a été donnée du ciel, nous avons la force maintenant par le biais de la bénédiction et le Dvar Torah qu'on fait à table d'élever tout ce que nous avons mangé vers le trône divin. Ça aussi, c'est une forme d'avodat Hashem. Yashinian adgish davarze ou l'arbot bachila ushtia l'irbot yom tov. Et donc, ils lui répondent, mais il y a justement un lien de manger le maximum pendant yom tov, surtout qu'on sait que yom tov, toute la nourriture vient de la citra de Kedusha, elle vient du Etzraim, elle vient de la Kedusha, il n'y a pas de mauvais dans la nourriture de yom tov et de Shabbat. Ou la lot est à achilat agashmit que korban Hashem. Et c'est pour ça qu'on appelle le misbéach la table. Qu'est-ce qu'est le misbéach aujourd'hui quand quelqu'un
il a besoin de remercier Hachem, fait une seouda, parce que la table est considérée comme étant un misbéach, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, et la nourriture qui est dessus monte vers Hachem, réach nichoach chez Hachem. C'est pour ça qu'il faut faire absolument un dvar Torah, chez Shloshesh Akhoa Shulchan Echad, velo amrou alav divrei Torah, ki lo achulum zifremetim, dit la Mishnah. S'ils étaient trois en train de manger à une table, il n'y a pas eu de divrei Torah, c'est un korban de cadavres qu'ils ont consommé. Aval mitzad ana, verneg yom tov, gam atzeret ana, et tzircha liot, o kulo l'Hachem, o kulo l'Hachem. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il dit, kol akavod pour ce que vous dites, mais ou pour Hachem, ou pour. Il ne bouge pas du niveau, il ne veut pas. Il a répondu, chacun avec son plaisir. Tu vois bien qu'il y a plein de mitzvot qui sont dépendantes de manger et de boire. La fête de Purim, c'est michté. Yom simcha l'Israël. Donc il y a une raison à cela de boire et de manger pour les samech et tashrina, de profiter de ce monde. En tout cas, la Gemara nous a déjà mis en garde. On rendra des comptes si on n'a pas profité de ce monde. Grande marloquette. Mais, pour Hachem. Par exemple, prenons un sujet qui agace beaucoup de gens. Il y a des gens qui partent en vacances en Khoutz Laaretz. Après ce chiou, si tu poses la question, la mat annoncée, pourquoi tu voyages? Si c'est pour voir plus beau qu'Israël, il n'y a pas. Parce qu'il y a remarqué dans la Gemara que toutes les terres se trouvent en Israël. Tu veux Chamonix, va en ce moment dans le Golan, tu vas trouver. Tu veux Indiana Jones, va de l'autre côté. Tu veux l'Arabie Saoudite, tu vas de l'autre côté du désert. Tu veux le Negev, il est à côté. Machatarotsayesh pour. Azamatayotse, les filles à la chasuratset. Si tu n'as pas une raison spirituelle qui dit que tu sors pour faire un kitou shachem, à la chasuranaruch, assur la tset meret Israël. Il est strictement interdit de quitter Israël chez Neymar, Olim Bagdusha Velo Yerdim. C'est pour ça qu'une personne qui part en Khoutz Laaretz et qui te dit je pars au Guatemala en vacances, au Mexique en vacances, je pars en Jean-Lépin en vacances. Zeben Adam, je suis une krachote veozer et Hachem. Il n'a pas le droit à le pied à l'acha. Je parle de Shouchan Aruch, je ne parle pas de Moussar. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il dit voilà, je choucherai des rabbanan. Je vais là-bas, je vais faire un bar Torah ou je vais récupérer de l'argent pour une yeshiva. Ou Khayav, t'es d'où l'achem, ou Khayav? Ou Khayab, il est obligé de le faire. Sinon, à Sourlo. Zélo Pachout. Demain, d'avant, Matsinou David Amel Khalav Shalom, qui disait comme ça, le Rav Kashko Batora, Ayamona, Atmo, Merchela, Ushtia, Kolemi, ou Pneshaka, Mona, Atmo, Achela, Ushtia, Merchaka Torah, Ave Shabbat, Aya Rachat, Bekab, Shabbat, Lo Uzar, Ela Likro, Lo Oneg, Veza, Aya Oneg Shelo. On dit que le roi David lui-même, pendant Shabbat Kodesh, ne cessait d'étudier la Torah, c'est pas qu'il ne voulait pas manger, mais il oubliait de manger pendant Shabbat Kodesh. Et le roi David ne cessait d'étudier la Torah. Rabbi Yoshua ou Rabbi Yoshua ben Hanania. Quand on parle de Rabbi Yoshua, on nous dit ici, maintenant, Rabbi Yoshua ben Hanania, on va passer un peu de l'autre côté. On a parlé de Rabbi Eliezer maintenant, de son opinion. Allons un peu chez Rabbi Yoshua. Ça vous intéresse? D'accord. Bah, vu votre vie, je peux changer de sujet. Hein. Ça vous intéresse? Oui. Amar Rabbi Yoshua, dans la Gemara Chagiga, Bedaf Amud Bet, Rabbi Yoshua ben Hanania, Arakai be Kesar, donc on a vu que Rabbi Yoshua, le roi nous raconte qu'il avait l'habitude d'être chez l'empereur, il se prenait la tête avec des apicoros. Et on voyait de Rabbi Yoshua qu'il était beaucoup plus en rapport avec le monde d'en bas. Ouais. Mais savoir chez Adam, chez Oubé Madriga, chez le Ta'anoug, à la Chem, il y a un de la Chem, donc lui, Rabbi Yoshua, il dit pas du tout. Dans ce monde, on peut complètement être en rapport avec le divin, tout en étant un homme mêlé complètement à la matérialité et de kiffer. Mamash, on peut très bien kiffer tant que tu restes dans le cadre de la halakha. Shadayin, yachol, gam, litanek, barfila, ushtia, b'yom tov. Qui est une mitzvah de manger, de boire pendant yom tov, de dire des bénédictions, de monter tout ça vis-à-vis d'Hachem. Chez autres, mitzvah tayom, il dit, oh, c'est la mitzvah du jour. Vav, shigam, rabbi Yoshua ben Hananya, ikarana, i. La neg al Hashem, bekodem chetzu al Hashem. Il dit, c'est pour ça que, quand je dis que chetzu al Hashem, chetzu al Adam, il dit, il faut commencer d'abord par donner le plaisir à Hashem. Ça veut dire que toutes nos actions soient faites les Shem Shamaim. Je vais manger, mais en l'honneur d'Hashem, il faut le penser. Haval shargam ken chetzu al Hashem. Mais on ne peut pas ignorer qu'on n'en profite pas non plus. Donc, il dit, chetzu al Hashem, chetzu al Hashem. Shechet gam bezeh anah beyom tov.
Il rapporte ici le Likutei Moharan dans Tanina Zayin, chez Eliezer. Donc, regarde, c'est incroyable. Rabbi Nachman se mêle de l'affaire. Et il dit, le roi David, il a écrit dans les Tehillim, ces deux grands Tanaïm, qui dit comme ça, écoutez bien. Aïn l'oraata elokim zulatecha. D'accord ? Yaase. Alors, il dit comme ça. Aïn, traduisez. L'oraata, n'a pas vu. Elokim, zulatecha yaase. En fin de compte, seul celui qui a vu ce qu'était capable Rabbi Eliezer de voir peut comprendre ce que lui il dit. Donc il faut vraiment être à un niveau. Voyez les lettres. Aïn, ça commence par la lettre Aïn. Lo, Lamed, Ra'ata, Resh, Elohim, Aleph, Zulatecha, Zain, Ya'ase, Yud. Eliezer. Il dit le roi David, Chachamim, quand il a donné ce verset-là en disant jusqu'à ce qu'aucun homme. Lo, Ra'ata, Elohim. Aucun œil, Aïn l'orata elokim zulatecha. Personne n'a pu voir. Il disait Rabbi Eliezer, qui était d'un niveau qu'on ne peut pas comprendre, c'est plus que les anges. Ah, mais il va finir avec Rabbi Yehoshua, vous l'entendez. Il dit comme ça. Je vois qu'à tout, yekumu nakitsu, veranenu shokhne afar. Levez-vous comme précipité de la poussière pour servir Hachem. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Yekumu yun, hakitsu he, veranenu vav. Chokhne, Shin, Afar, Aïn, Yehoshua. Il y en a un qui vient du monde d'en haut et qui dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu nous réserve, vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous faites à perdre du temps m'étudier chaque mot de Torah, chaque seconde? Parlez que de Torah, servez Hachem. Et t'as Rabbi Yehoshua qui dit, mais non, Kitsu Veranenu, Chokhne, Afar, Veranenu, soyez heureux. Levez la poussière. Donc il y a un qui part du haut et l'autre qui part du bas. Ça s'agate, Rabbi Yehoshua, et Beprinat, Dare. Matam idagai, le dernier moucha, il dit ouvertement Rabbi Nachman. Il dit parce que Rabbi Yehoshua ben Hanania était inférieur au niveau des niveaux que Rabbi Eliezer. Kipchuto. La Gemara nous dit dans Rosh Hashanah Yudalev, chez Rabbi Eliezer, sauveur de Tishrei Atidim Leigael. Maintenant, on va comprendre quelle différence. Rabbi Eliezer, Rabotai, il dit que la Géoula aura lieu au mois de Tishrei. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il dit non, ça a lieu à Nissan. Lama. D'après vous, avant que je tourne la page, dites-moi pourquoi. Nissan, c'est la sortie d'Égypte. Super. C'est parce que c'est aussi une certaine délivrance matérielle. On est libre. On est libre. Dans les deux camps, on était libre. Tishrei, on n'était pas en prison. Parce que Rabbi Eliezer, quand il voit Tishrei, plutôt Rabbi Yehoshua, quand il voit Nissan, il voit une certaine délivrance matérielle aussi, puisqu'on sort d'Égypte. Oh, déjà, on se rapproche. Rabbi Yehoshua, il dit Nissan parce que Nissan, on est sorti avec. Bizatayam. Ensuite, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah de Nissan? C'est Rosh Hashanah de là? Non, c'est Rosh Hashanah de là? Tvoa, le blé. Dieu, Mechadesh, Kol Advoa. L'ange Gabriel descend à Nissan, le 15 du mois de Nissan, et il brûle toutes les racines sous la terre pour renouveler la matérialité de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehoshua? Quand est-ce qu'a lieu la Géoula? À Nissan, c'est-à-dire que lui, il voit la Géoula venir par justement sa déa à lui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à Nissan? Seudat mitzvah, faut manger, Baruch Hashem, faire les 14 Seudot, on fait le Seder de Pessah, manger la matzah, tu vois bien que tout est mitzvah. Il lui insiste sur quoi? Il insiste sur le fait que pendant cette fête-là, Habibi, tu vois bien que tu es constamment en train de manger, c'est la Géoula, c'est la fête, première fête juive du judaïsme, roulé, roulé. Rabbi Eliezer, il te dit non, la Géoula, elle aura lieu au mois de Tishrei. C'est la Géoula. Et voilà! Parce qu'à Tishrei, qui c'est qu'est né à Tishrei? Le premier, le jour de Rosh Hashanah, qui c'est qu'est né à Tishrei? Adam Arishon. Et dans le Gan Eden, il faisait kiffer Hachem. Les Ovda ou le Shomra. Et est-ce qu'il mangeait? Non. Est-ce qu'il buvait? Non. Il était au Gan Eden, là-bas, il n'y a pas ni de quoi manger, ni de quoi boire. Ok? On va être pris de gros, comme ça, on est tranquille. Depuis où j'ai d'abord? La matiche ou kol, et mim dio. C'est ça. Je suis revenu en arrière, on avance. Il dit comme ça, aussi une teshuvah nigalim. Dans Sanhedrin, ça dit Zayin, Amoudbet, il dit Rabbi Eliezer, sauveur, im Israël aussi une teshuvah nigalim. Maintenant, il te dit pourquoi. Selon Rabbi Eliezer, la Géoula ne peut pas venir si on n'a pas fait teshuvah. Comment vous croyez que vous allez être libéré si vous n'êtes pas shomer, mitzvot, shabbat, kovaï, mitim la Torah? Et quel est le mois en remettant en question dans ce domaine? Adonasselichot. Bon, Hatan. Ma, c'est le mois de la Teshuvah. Rabbi, et qu'est-ce que c'est Nissan?
Est-ce qu'on fait des tahamunim? Non. Pourquoi on amène la Géoula? Birkat Haïlanot. Oh. La matzah de Pessah. L'herbe à cossotte de vin. Les quatre verres de vin. Eh bien, la marloquette. Et bien, t'as conseillé de la Géoula. Rabbi Eliezer, il dit que la Géoula viendra du monde spirituel. Rabbi Oshoué, il dit non. Elle viendra du monde matériel. Marloquette. Rabbi Oshoué, Sommer, l'obé Kesef Tigalou, l'obé Tchouva. C'est un fil Israël, c'est Gan. Beli Tchouva, il gagne. Il dit tout simplement, s'il est. C'est un truc de fou. Parce que si je veux faire une psychanalyse de ce que dit Rabbi Oshoué, si je peux me permettre le mot, Rabbi Oshoué, il dit si les enfants d'Israël arrivent à être Saméar, ce qu'il dit ici, Koumou, comment dit dans le verset derrière, j'ai oublié, juste un instant. Oui. Yekoumou Nakitsu Verranenu. Donc chantez, Shochne Afar, vous qui siégez dans la poussière. Ouais. Donc, c'est quoi le mot principal? Yeranenu, c'est chanter. Rabbi Oshoué, il prétend que la Géoula viendra par le biais de la joie. Et si pour avoir de la joie, c'est la matérialité qui te donne de la joie, et qu'avec ça, tu peux servir Hachem, ah, et Baruch Hachem, j'ai bien mangé, je suis content, je suis saméar. Il dit ça, c'est suffisant pour avoir la Géoula, selon Rabbi Oshoué. Rabbi Eliezer dit quel rapport? C'est que le rapport de ta chaîne, t'as envie de tchouva. Rabbi Eliezer, il est mis data. Din. Kipchuto. Amash. T'es Géoula, Begashmiut. Non, ce qu'il dit. תהיה גאולה בגשמיות. היינו שיבוא שפע ברכה גשמית לישראל וזה יש בניסן, שזה הזמן של שפע בגשמיות. זה לממן, דו לאבונדנס, זה למטריאליטה, כמובן במשנה, שבפסח נדונים על הדבואה, ואז כשאני מבוליך, זה מרקי איסי. הניסן עונה, ז'יג'ה, סיור, לבלי, לאורג', לבואן. דהיינו שענייני התבואה נדונים בהשפן בניסן, ותהיה גאולה רוחנית שהיא עניין התשובה, תהיה בתשרי. אלא תשובה, דו לספיריטואליטה, זה התשרי. זמן התשובה, רבי אליעזר לשיטתו, לגשמיות, אין חשיבות כלל. Et comme pour Rabbi Eliezer, ouais, le monde de la matérialité n'a aucune importance, c'est pas possible. En réalité, quand tout est divré le Kim Chaim, il dit que le monde a été créé aussi au mois de Tishré. Vous savez ça? Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé au mois de Tishré. Et Rabbi Oshoué dit non, le monde a été créé au mois de Nissan. Tu peux m'expliquer, Eric? Comment c'est possible? David? Comment c'est possible que Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé au mois de Tishré? Rabbi Oshoué dit au mois de Nissan. Réponse très simple. Qui a été créé au mois de Tishré? L'âme d'Adam Rishon. Qui a été créé au mois de Nissan? Le corps d'Adam Rishon. Tout simplement. Rabbi Eliezer, quand il parle de quand est-ce qu'a été créé l'homme, il s'intéresse à la spiritualité. Quand Rabbi Oshoué, il s'intéresse à la matérialité. Les deux ont raison. L'âme a été créée à Tishré, le corps a été créé à Nissan. ולא העניין הגאולה גשמיות, אין לה גאולה כלל, רק גאולה רוחנית שתהיה בתשרי, היא נחשבת לגאולה, וזה ממה שאמר בתשרי עתידים להיגאל, ידי תשובה, ובשורה שיטתו גם גשמיות, ביום ניסן עתידים להיגאל, ואף אם לא יעשו תשובה, יגאלו בגשמיות. יש לזה גם כן שם של גאולה, ואחר כך תהיה גאולה רוחנית בתשרי, וכיוון גאולה גשמית שבניסן יהיה קודם. רבי ישוע ידיד נכון, אתה רזון, לפי נראה פר יעבור עם גאולה, עם ליברציון. Spirituelle, mais elle passera d'abord par une libération matérielle. Qui pourrait me donner, d'après vous, ici une preuve de cela au niveau du processus de la Géoula, que c'est comme Rabbi Oshoué quelque part? La création de l'État? Non. Alors, ce que je viens de dire, c'est une belle réflexion. Ma chère Ben David, ma chère Ben Yosef, il faut deux mishéchistes, un la matérialité, l'autre spiritualité. Yosef, c'est celui qui ramène la matérialité, celui qui nourrit le peuple, celui qui donne du blé à tout le monde. David Marzera Atara le Yoshna, c'est lui qui ramène la spiritualité, reconstruit le temple, mais Kabes Nitré Israël, on rechante au Beth Amikdash, on remet le Korbanot, comme le dit le Rambam dans le 11e chapitre du traité Melachim. Inematov Manaim, Aval Miprinatenu. Où est-ce qu'on voit que Behemet, le talir de Rabbi Oshoué, ou Tzodek Gamken, il a aussi raison. Le salaire de l'homme après la mort, c'est quoi? S'il a le salaire, c'est quoi? 1. Non, qu'est-ce que là-bas? C'est le dernier, celui-là. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. J'ai envie de tourner la caméra comme ça, tous vous souvenez. Ah, dai. Après la mort, la tikkurujique. Triat. C'est quoi Triat Amitim? Résurrection du. C'est ce qu'il dit Rabbi Oshoué. Il dit Rabbi Eliezer, Valsdicha. Tu vois bien que d'abord on ressuscite le corps. Et après, le corps deviendra, avec l'âme, un seul.
une seule unique unité. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehoshua ? Il dit, tu vois bien que ça commence par la matérialité. Tu vois bien que Dieu d'abord fait résurrection pour le salaire du corps, et qu'une fois que le corps est composé, l'âme rentre dedans, et que le corps et l'âme, au niveau des shlavim, jusqu'à l'entrée au Olam Haba, eh bien l'âme et le corps seront aussi fluides l'un que l'autre qu'on ne pourra pas faire la différence. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehoshua ? C'est ce qu'il dit ici. Rabbi Yehoshua, il dit, La Gemara Omer Rech Lakish, Kolo Osek Batora Balayla, Kalva Chomer. Ata Oved, Aved Yesh Zmanim. Vous avez des questions d'abord sur tout ce qu'on vient de dire ? Ok ? Et Milosh, de la Castille Gilianosh. Non, je pense que la vision de Rabbi Eliezer est trop dure pour, un homme, pour les hommes. Tu penses que la vision de Rabbi Eliezer est trop dure pour les hommes ? Qui pourrait lui répondre ? Vous avez dit vous-même qu'il est Midatadine. Est... Qui pourrait lui répondre ? Ben, le problème, c'est que. Est-ce qu'on ne va pas être. Tu as raison. Ouais, elle est trop dure pour celui qui n'a pas vu. Qui n'a pas vu ce que Rabbi Eliezer. Les halakhot sont fixés selon qui depuis 2000 ans ? Hillel. Qui est à l'opposé d'Hillel ? À part trois halakhot qui sont selon Beit Shammai, toutes les halakhot que nous avons, c'est Hillel qui les a fixées. Pourquoi Hillel, il a eu le plaisir d'avoir la halakhot à son insu ? De dire laquelle. Je non, parce qu'il a toujours laissé écouter d'abord, laissé parler d'abord Shammai, et il a laissé... Donc il était plus humble. Et le monde dans lequel on vit rejoint ce que tu viens de dire, Emile. La halakha, nikba'a lefi Hillel, parce que la génération et les générations jusqu'à la fin des temps n'auraient jamais pu supporter le din de Shammai. Jamais. Ce qui fait que quand viendra le Melech HaMashiach, où tous les enfants d'Israël vont complètement s'élever de niveau, et vous savez ce que ça veut dire ? Peut-être vous choquer, hein. Mais après le premier shlav, comme le dit le Rambam, Aolam Kiminago in Hag, le monde continuera tel qu'on l'a connu, mais c'est juste une toute petite période. Quand viendra Bezrat Hashem le Melech HaMashiach, on va tous devenir des Rabbi Eliezer. Ça veut dire que les Chachamim nous disent à un tel point que quand on verra des gens ramasser de l'or et de l'argent, on dira, mais qu'ils sont bêtes. Ces mecs, de l'or et de l'argent, c'est bien, non ? Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je ramasse de l'or et de l'argent, je vais acheter encore plus de choses. On est tellement heureux. On sera tous en train de chercher à étudier la Torah. Sachez-le. Il y a d'autres qui disent le contraire, comme ça, comme ça. Moi, ce que j'ai étudié, c'est ce que je vous dis. On sera tous des Rabbi Eliezer. Et les Chachamim nous disent, on quittera les lois de Hillel pour passer à celles de... Donc vous voyez bien qu'il y a un changement. On sera maintenant capable de supporter la Otzma, c'est-à-dire la puissance du jugement de Shammai sur nous. Ce qui c'est Shammai. Regarde ma Maseret Shabbat de Daflam et d'Alef, Amoud Alef. Tu peux maintenant prendre la Torah sur un pied ? Allez, Wahad, celui-là, une traha, on va lui mettre. Il le jette. Hein ? Il lui a mis un coup de pied dans les fesses, tu dis ? D'accord. Il a dit, est-ce que je peux prendre la Torah sur un pied ? Oui. Il a dit, c'est un Shabbat, il a dit oui. Il a mis un coup de pied dans les fesses, il a été voir Hillel, il a dit... Est-ce que tu étais présent pour dire que c'était vraiment dans les fesses, peut-être dans le dos ou dans le genou ? Non, moi, c'est ce que j'ai entendu. Ah, d'accord. Ton rab, il t'a dit, un coup de pied dans les fesses. Ah, c'est ta mère. Ah, je savais bien qu'elle était dans parce que l'arabe qui dit, Shem, il avait coupé dans les fesses, c'était pas. D'accord. Non, il lui a dit en arabe, Rohmin Hun, le dégage d'ici. Donc, il lui a mis un coup de pied au derrière, d'accord, et après. Après, il a été voir Hélène, il lui a dit, respecte ton prochain comme toi-même. Non, aime ton prochain comme toi-même. Ah, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais-moi. Comment tu t'appelles ? Don. Tes parents sont là, justement, j'allais dire. D'accord. Dick. Donc comme ça, elle parle votre femme, coupe au derrière. C'est bon. Donc tu vois, et qu'est-ce qu'il lui a posé comme question bête pour mettre en colère Shammai ? Tu peux m'apprendre la Torah sur un pied. Tu comprends ? Hillel, qu'est-ce qu'il a répondu ? Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Il a répondu aussi, plusieurs fois c'est arrivé, que tu saches. Hazak, comment t'appelles ? Deviens un grand ours. Élie, il pose une question, il dit... Qui c'est Élie, celui-là encore, qui me dérange pas ? Non, il dit la Svara de Rabbi Eliezer, elle n'est pas valable dans ce monde-ci, parce que ce qu'Hachem, il attend de nous, c'est qu'on lui fasse une maison dans ce monde.
Emmet, il a raison. Il dit. Ça contredit beaucoup de choses. Parce que, au Tzodek, tout le but de la création, c'est de faire Dira Batartonim. Mais Dira Batartonim, cher Eli, tu crois que Rabbi Eliezer, il ne le sait pas. Dira Batartonim veut dire un appartement dans le monde d'en bas. C'est exactement ce que dit le verset. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Rabbi Eliezer, il te dit, Nachon, viens dans mon cœur, il n'y a que Hachem, il n'y a pas d'Yetzerara. Ma lotov, c'est bien ce que dit le verset. Bechol levavecha vevacha, c'est les deux bêtes. Yetzeratov et Yetzerara. Qu'est-ce que demande Hachem? Lishkon belevavot. Ve'ahavta et Hachem elokecha. Ce que veut le créateur du monde, c'est que tu l'aimes. Il y a deux façons de le réaliser. Ou tu as Hachem dans ton cœur, dans tes actions, et tu étudies la Torah. C'est pour ça que, pour répondre à ta question, si tu me dis par exemple, entre construire le pays d'Israël et d'étudier la Torah, voir parce qu'à Alakha, avec Talmud Torah, Keneged Kulam. Alors la réponse, je vais la changer, je vais vous la donner pour ce soir. On aura besoin de gens comme le Rav Kanievski, le Rav Steinman, Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, qui pensaient exactement comme Rabbi Eliezer. Mais ça ne les empêchait pas d'avoir des élèves qui allaient construire comme Rabbi Chanina Ben, comme Rabbi Yoshua Ben Chananya. Ça veut dire qu'en réalité, si je vous fais un parallèle de tout ce qui se passe, c'est l'histoire de Purim et de Hanouka. Il y a ceux qui vont tourner du haut, comme on l'a dit ce matin, ceux qui vont tourner du bas. Il faut que les choses tournent par le haut, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui vous la portent en montant dans les sphères supérieures. Et c'est eux qui vont ouvrir les choses qui ne s'ouvrent pas de ce monde. Donc tu vas voir, Baba Salé, j'ai pas d'enfant, pas la parnassa, handicapé, problème droite et gauche. Lui, comme il est en haut, il peut débloquer les portes d'en haut. Donc il a la clé de la serrure qui te bloque ton mazal. Mais ce n'est pas les autres qui pourront t'ouvrir, mais par contre les autres, ils ont la porte de dessous. Alors ils peuvent t'ouvrir pour monter vers le haut. Il y a ceux qui vont construire ce pays, et puis il y a ceux qui, grâce à ce pays, vont te permettre d'aller étudier dans les chivotes d'en haut. Donc il y a un travail du haut, du bas. Il y a Rabbi Yoshua, il y a Rabbi Eliezer. Mais c'est très important de retenir. Parce que malheureusement, vous avez même des rabbanim. Je ne critique pas, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des rabbanim qui disent, on n'est pas dans ce monde, parce qu'on fait chivotes. C'est ton petit monastère. Zelon Achron. T'es en train de contredire Rabbi Eliezer. Tu sais ce que tu fais. Il y en a qui disent qu'il faut être comme Rabbi Yoshua. Et c'est ça la richesse de l'esprit, Rabotai. C'est d'être capable d'apprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre Hachem, qu'il n'y a pas qu'une seule opinion dans ce monde. Moi, je vous pose une question, chers amis. Vous aimeriez avoir un fils qui a le niveau de Baba Salé? Qui ne veut pas lever la main? Personne ne lèvera la main. On serait tous fiers. Quand notre enfant il lit la Torah, on a la larme. C'est mon fils. On est fiers. Tu as ton fils comme ça, il se lève, il fait une dracha. Il fait une dracha dans une grande bête à Knesset et tu vois les gens écouter sans parler. Tu n'es pas fier de ton fils? Si c'est pas assis pour étudier la Torah, tu n'es pas fier de lui? Voilà mon petit sadique. Mais qu'est-ce qu'on a au lieu de cela? On a des gens qui se trouvent que dans le monde d'en bas, qui ne voient rien dans le monde d'en haut. Quand ton fils en yeshiva, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Encore un parasite? Comment il va vivre? Papa. Cette femme qui parle, elle a oublié que son mari, il est au chômage. Avec tous ses diplômes. Nous, à quoi ça lui sert? Rien à Adam Tchlid, mais au l'Isère. Si vous voyez des gens se comporter comme Rabbi Eliezer, encouragez-les. Il y a un homme qui vit comme Rabbi Eliezer dans cette génération, vous savez? Il est complètement désintéressé du monde. C'est le Rav Amos de Nathania, pour ceux qui le connaissent. Complètement désintéressé, marche pieds nus, crade, propre, l'homme chien. Mais quand il y a des problèmes, les gens ils font la queue. D'abord, tu fais 3 heures de télim, après, tu fais la queue, tu viens le voir et tu donnes ta réponse. Il n'y a pas que lui. Rav Steinman, Rav Kanievski, tous ces grands de la Torah, tous ces géants de la Torah, sont complètement désintéressés. Seulement, ils savent une chose, c'est qu'il faut des Rabbi Eliezer et des Rabbi Yoshua. Mais dans les deux cas de figure, n'oubliez pas un détail. Que ce soit pour Rabbi Eliezer ou pour Rabbi Yoshua Rabotai, il faut que quoi que tu fasses, ce soit toujours pour lui. Alors prenons un exemple pour finir et vous libérer ce soir, quoi qu'on est loin d'avoir fini. Prenons la nourriture de la semaine. Sujet très très ambigu pour les Tunisiens. Pour nous les Tunisiens, il ne faut pas parler de ça. Le Rambam nous dit, mange jusqu'à laisser un quart de ta faim insatisfaite. C'est-à-dire que tu manges, tu as encore un tout petit peu faim, mais tu es un peu rassasié. Normalement, tu dois t'arrêter. Chose qui est une insulte pour les Tunisiens. Ça ne t'aime pas. Non, mais il faut que je laisse un peu. Ça ne va pas, non. Mange tout et après tu laisses.
C'est pas possible. Une culture qui est impossible. Bouffe et Tunis, c'est un synonyme. Mais la reine, en réalité, c'est là-dedans que tu vois la voie d'attacher. Quand tu es capable de t'arrêter de manger, chose qui est très dure, surtout quand tu as des périodes de boulimie. Des moments où tu n'as plus envie de manger, des moments où tu as tout le temps faim. Tu as remarqué ça? C'est des périodes. Il faut les laisser passer, ou alors tu prends la tête, tu pleures sur la balance. Avale quoi qu'il advienne, celui qui est capable de se conduire comme le Rambam dans les Ilchot Deot, Ayom, il est dans l'équilibre du monde. Tu manges, pourquoi tu manges? Pour avoir la force de tenir l'étude, pour me sentir bien, pour ne pas être malade. Donc il faut mesurer ce que tu manges, pas trop. Tu bois, pareil. Comme ça dit Rambam. Tu dors, pourquoi tu dors? Al titen shenale af apechadi Shlomo Ameler. Ne donne pas trop de sommeil. Il dit pour mieux me lever le matin pour la prière. Parce que si j'étudie toute la nuit pour rater Shacharit, j'ai tout raté. C'est-à-dire que j'ai construit une mitzvah sur le dos d'une Avera. C'est que dans toutes tes actions, dans toutes tes pensées, surtout dans toutes tes paroles, est-ce que tu as été capable de mêler quelqu'un? Comme j'étais avec mon ami ici présent dans une affaire, il m'a dit « Ah non, non, je ne prends pas, il faut que je mente. » Ça s'appelle mettre Dieu dans ses affaires. Je ne mens pas. C'est un interdit de la Torah. Je ne triche pas. Je n'arnaque pas. Je suis avec Hachem. « Bechol derachecha dahehu » C'est le shlav entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Je finirai juste avec cette phrase de jeu de mots entre leurs noms. Si tu veux la Yeshua, si tu veux vivre la Géoula dans ta vie, comme le dit Rabbi Yoshua, alors tu auras Eliezer. Tu auras Dieu pour t'aider dans cette voie-là. Zeperushata. Kelagdil Torah, Ula Adira, Betachit Shelrat Shamaim. Et retenez juste, de secours une chose. Que nous cessions, que nous faisions teshuvah une fois pour toutes, d'arrêter de croire que quand un chassid, un Breslev, un juif quelconque sert Hachem, il ne le sert pas comme il faut. Arrêtez de croire ça. Il n'y a pas qu'un chemin pour servir Dieu, il y en a plusieurs. Même avec la simplicité des mots, même avec des calipettes, si elles sont faites pour Hachem, ça s'appelle Eved Hachem. Kol Tov.